Salut mec, tiens, moi je distribue des petits flyers parce que Jésus a changé ma vie. Et en tant que jeune, je sais que je peux impacter les jeunes. Et du coup, je voulais te dire ce soir que Jésus t'aime beaucoup. Ouais. Jésus t'aime beaucoup, en fait, tu vois, moi j'ai la foi. Et puis je vais dans des milieux comme ça, où, tu vois, souvent on fait la fête, on se détend et tout ça. Mais moi j'aime bien parler avec des jeunes de mon âge aussi de sujets, tu vois, un peu sérieux. Et je viens te dire ce soir que tu as un créateur, que t'es pas le fruit du hasard sur cette terre, et que Jésus est le seul chemin en fait. Il est ton sauveur. D'accord. Ouais. Et il est mort sur la croix pour toi, pour mourir pour toi, pour tes péchés. Et le troisième jour. Ah bah si. En fait, tu sais que. C'est tout... quoi le péché ? Péché en fait c'est ton état. Parce que quand tu nais sur la terre, tu vois, quand tu sors du ventre de ta maman, en fait, tu nais tout entier dans le péché, tu vois. Parce que c'est pour ça que tu meurs. Pourquoi on meurt? Tu vois? Parce qu'on est pécheur. Et t'as forcément, dans ta vie, t'as forcément menti une fois, t'as forcément volé, t'as forcément fait du mal, tu vois. Parce qu'en fait, on est séparés d'avec notre Père, tu vois. Et Jésus, justement, il est venu sur cette terre pour rétablir la connexion avec le Père. Et moi, Dieu a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. Okay. Et c'est pour ça que je veux te dire cette bonne nouvelle-là. D'accord. Et pourquoi il a changé ta vie? Il a fait quoi de mieux? Comment? Pourquoi il a changé ta vie? Il m'a pris de là où j'étais. Ouais. Et il m'a emmené dans sa vie à lui. Il m'a donné sa paix et sa joie. D'accord. Tu vois? Donc là, t'es paisible. Exactement. Et c'est pas des circonstances extérieures qui définissent ma joie, mais c'est à l'intérieur. Parce que Jésus, il dit dans la Bible, dans l'Évangile, il dit « Je vous donne ma paix et je ne donne pas comme le monde donne. » Par exemple, quand tu vas dans un endroit comme ça, tu t'éclates avec tes potes et tout, mais parfois tu peux rentrer chez toi quand même triste. Mais avec Jésus, il te donne cette vraie joie, cette vraie paix. Qui n'est pas comme ça, tu vois, qui n'est pas comme le monde, qui n'est pas comme la drogue ou l'alcool. C'est une joie et une paix qui est éternelle qui est en toi. Est-ce que je peux prier pour toi? C'est comment ton prénom? Éloine. Éloine. Seigneur, je te remercie pour Éloine, papa, pour sa vie. Je prie qu'il te rencontre, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant sur sa vie. Amen. En tout cas, moi, j'ai prié un jour. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, viens te révéler à moi. Il a vraiment changé ma life. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vis pour lui. Et c'est une vie de dingue. C'est une vie de fou. Et voilà. Peut-être que demain, quand tu travailleras, tu liras ça, tu te rappelleras de moi. Ouais, tu sais quoi? En tout cas, sois béni. Je vais garder dans ma poche. Voilà. Et demain, tu liras. Je le lirai. À tête reposée, tranquille. Ouais. En tout cas, enchanté. Ouais, voilà. Enchanté. Sois béni, fais attention à toi. Merci. Tenez, monsieur. Merci. Soyez béni, en tout cas. Jésus vous aime. Salut les gars. Bonsoir. Bonsoir, soyez bénis en tout cas. Merci. Je partage. Il est bon, c'est à vous, moi, que. Hein? Parce qu'il parle pas français. Ah, tu t'es converti? Oui. Ouais. Oui, oui. Comment c'était venu? Ah, comment ça m'est venu? En fait, un soir, j'étais chez mes parents. Ouais, vas-y, tu peux te. Non, parce qu'il a compris comment on parle français, tu parles doucement. Et puis, en fait, je regardais une vidéo sur internet. Ouais. Et la personne a partagé son témoignage de comment lui, il est venu à Jésus. Et à la fin de sa vidéo, il a dit, si toi aussi tu veux rencontrer cet amour, tu peux prier. Et du coup, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, viens te révéler à moi. Et il est venu dans mon cœur, il a changé ma vie. Et c'est pour ça que je partage cet amour. C'est parce que lui, il te comprend, parce que lui, pareil, lui, il s'est converti à l'islam. D'accord. Et pareil, lui, il a regardé avant, tu sais, il a reçu un appel. Et c'est pour ça. D'accord. Donc okay, je trouve ça très bien ce que tu fais. Ok, bah en tout cas, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donne de l'espoir à l'humanité. Ah, ça fait plaisir. Ne t'inquiète pas, Dieu a une bonne récompense pour toi pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Tu t'y attends pas, continue comme ça. Ça fait plaisir. Merci vraiment. Merci, merci. Moi, j'aimerais bien avoir comme toi, tu vois. J'aimerais bien être comme toi. Ouais. Je suis croyant, mais bon, j'attends le bon moment peut-être. Il n'y a pas de bon moment. Mais bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Soyez béni en tout cas. C'est pour vous. Ouais. Super. Ouais. En tout cas, bon courage. Merci et que Dieu te bénisse. Merci, merci, merci. Tu sais, la foi, elle est simple. C'est pas compliqué. Il suffit juste de lui demander. Il vient faire sa demeure en toi, dans ton cœur. Il te change de l'intérieur. Pour mener une vie digne, simple, de pureté, tu vois. C'est beau, vraiment, c'est beau. Ouais. Vraiment, on passe sur la main avec plaisir. Ouais. Que Dieu te bénisse. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.
Tenez, madame, soyez bénie en tout cas ce soir. Le Seigneur, il vous aime beaucoup. Bah, c'est gentil. Oui. Mais pourquoi vous donnez ça? C'est gentil, merci. Comment? Je dis, pourquoi vous donnez ça? C'est bah, parce qu'en fait, moi, j'ai été transformé par l'amour de Jésus. D'accord. Et donc, je suis vraiment... Vous voulez que ça donne à tout le monde? Je veux... Tenez, madame, soyez vraiment bénie. Ah, vraiment pas, je suis musulmane. Ah, mais il n'y a pas de souci. Le Seigneur, il aime... C'est gentil. Il aime tout le monde. Le Seigneur, il aime tout le monde. Ouais, c'est vrai, mais il veut qu'on se repente. Il veut qu'on se détourne de notre vie de péché et qu'on se tourne vers lui pour mener une vie qui est sainte, agréable à lui. Moi, c'est très gentil. Voilà. Merci. Ok. Merci beaucoup. Que Jésus vous aime. Merci. Au revoir. Faites attention à vous. Ça va mal se passer avec David. Là, on va en parler. Messieurs, soyez bénis. Ne reportez pas sans ça, s'il vous plaît. Soyez bénis. Faites attention à vous. Le Seigneur vous aime. Il faut se repentir. Bonjour mesdames, le Seigneur Jésus vous aime, mais il faut se repentir de nos péchés, parce qu'un jour on passera en jugement devant lui. Soyez bénis en tout cas. Soyez bénis madame, le Seigneur Jésus vous aime, mais il faut se repentir de nos péchés, parce qu'un jour on passera en jugement devant lui. Quand on va mourir, on passera en jugement devant lui. Il faut se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est bon.